Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouveau stream spécial Halloween. Et on se retrouve sur Amnesia, le premier. Faut savoir que Amnesia, alors, je ne connais pas grand chose du premier, enfin de la partie, on va dire normale, parce que je sais que on peut customiser tout ce qui est, enfin faire des maps custom. Et je m'en souviens d'une où il y a Pédobir. Bref. Mais la partie normale, je ne la connais pas. Et le 2, donc Machine for Pig, Machine. Il y a Machine et Pig dedans. Machine for Pig. C'est Machine. Anyway. J'ai déjà vu des let's play dessus, donc forcément, je le connais un peu plus. Machine for Pig. Voilà, Machine for Pig. Mais le Dark Descent, avec mon accent English incredible, et ben je ne le connais pas. Alors, oui, donc vous voyez, lumière tamisée. Je me suis aussi habillée et maquillée pour l'occasion. Hein. J'aimerais qu'on apprécie. Et là, nous avons un bras qui n'est pas rattaché à mon corps. On a la main. C'est comment? C'est la main, non? C'est comment? Ma chose. C'est la chose. C'est la chose dans... Alors, tu es en train de faire descendre ma bretelle de soutif, hein. Je te préviens. Merci. Je ne sais pas, hein, mais... Peut-être pas en stream. S'il te plaît. Voilà, voilà. Comment ça? Je ralentis avant de commencer parce que je sens bien que je vais beaucoup trop avoir peur. Non? Pas du tout? Oh, on va commencer, hein? Dans la joie et la bonne humeur. Yeah! J'espère que sinon, au niveau son, si ça marche. Le jeu était conçu pour jouer ainsi. Alors, on va jouer comme le jeu a été conçu pour jouer ainsi, hein. Bah oui, on va commencer une nouvelle partie, même si j'ai absolument pas envie. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... M'attendez pas à ce qu'il parle. Mayfair. Ok. This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Donc c'est nous qui parle ou c'est quelqu'un d'autre? Donc je pense, j'en déduis qu'on s'appelle Daniel et qu'on doit arrêter un truc. Question, il date de quand le jeu ? Note, aucune note. Memento. Suivre la traînée liquide et trouver sa source. Non. Ah. Alors, attendez. Ouais, donc il a 10 ans. Est-ce qu'on peut... Je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut considérer ça comme... Je cherche les touches. Merci. Est-ce qu'on peut considérer ça... Enfin, à partir de quand on considère ça comme du rétro gaming? 10, 20... Je sais pas. Bref. Les touches, elles me vont pas.
au-delà de 15 ans. Ouais, donc il est pas encore trop rétro. Voilà, je peux me déplacer. Une boîte. Une boîte. Oh ! On peut prendre les fougères. Ça va devenir ma nouvelle meilleure amie. Un peu d'eau. Voilà. Moi, je propose qu'on reste là, qu'on arrose notre fougère et que... C'est toi la fougère. Non mais oh ! Je ne te le permets pas. Vous savez quoi si je laisse la fougère ? Bah, cette fougère aura bien vécu. Je peux pas la prendre la bougie, non. Hein. Moi je fouille. Il y a des bruits bizarres, j'aime pas ça. Elle aura vécu jusqu'à sa rencontre. Eh hey, hein. Ah là là. What the fuck. Monsieur. Je sais pas ce qu'il a fait par terre là. C'est bizarre. En plus, sans que je bouge, l'écran bouge tout seul, c'est assez perturbant. Est-ce qu'on peut pas faire des flips? Est-ce qu'on peut faire des flips? Ouh! Ouais. On peut pas faire des flipendo pour avoir des dragées? Non, ça c'est pas bon jeu. Alors ça va être... on va l'appeler Norbert. Et ça va être Jean-Marc. On choisit qui? On choisit Norbert ou Jean-Marc pour venir avec nous? Ah oui, parce que du coup on peut plus reprendre la fougère avec nous. Alors, j'y ai fort... Enfin, c'est... Oui, ça a été totalement... Pardon, Norbert. C'est totalement ça. Mais du coup, on prend qui? On va prendre Norbert. Allez. Sacrément isolé, ce château, hein. Pas mal à Norbert. Boîte à Madou. On peut se prendre. Oh. Ah merde, j'ai oublié Norbert. Attendez. Non mais, y'en a Norbert. Y'en a là. Mais. Voilà. Oui, voilà. Mais du coup, je trouve que c'est un bon endroit pour passer le jeu, non? C'est un magnifique placard. Ouais. Moi, je trouvais que c'était un bon endroit pour passer notre vie. Tiens, bois. Même pas drôle. Est-ce que c'est... Oui, ça casse, du coup. Plein de trucs qui cassent. Bien, je peux même bouger les... Est-ce que je peux la brûler? Non.
moi, je teste le jeu. Je vérifie, on sait jamais. On peut faire des trucs. Oui, je suis pas prête à reconnaître l'histoire, je sais. Norbert, tu me protèges. J'entends du bruit. C'est pas bon. C'est pas bon. Norbert, va jeter... Ah merde. Attends. Norbert, va jeter un coup d'œil. Tu me dis si c'est bon. C'est bon ? Je dis rien, j'imagine que oui. Ça s'appelle l'orage. Mais Norbert ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Non ! Je garde Norbert avec moi ! Il a de sacrés problèmes, notre personnage, visiblement, hein. Elle veut pas s'ouvrir. Non, non, mais reviens là. Pourquoi j'entends ta musique? Qu'est-ce que... Non, non, mais... Et on a des problèmes si jamais il fait noir. Ok. J'aime pas ça. Attendez, on venait de là. Là, il y a quoi? Pardon, je tape un peu Norbert. C'est pas voulu. Coucou Mosca. J'espère que tu vas bien. Bon, attends Norbert, je te pose là. Non. Je crois qu'on a abandonné Norbert. Adieu, Norbert. Adieu. Ça ne veut pas grand chose. C'était un soutien. Pardon, je savais pas qu'il fallait pas jeter des livres. Excusez-moi. Je voulais pas. Ah ! Ah, ta mère. Bon, y a rien dans cette salle. Mais t'es pas dans le noir, il y avait de la lumière.
Règle numéro. C'est du vent. C'est des pierres. C'est mon portable qui vibre. Alléluia, on a une lumière. C'est pas une question de nerf. Oui, mais il y avait rien comme élément. Ah, si, il y avait des trucs, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord, on peut l'éteindre et. Ok. On va la garder éteinte pour le moment parce qu'on n'a pas beaucoup de. Excusez-moi, je crois que la pièce est sur vibreur. Je vérifiais s'il y avait quelque chose dedans, mais visiblement non. Pour aller mieux, faut que tu résolves des énigmes. D'accord. Super, on m'a dit de résolver des énigmes. Ça se trouve, mettre le tapis dans le feu, c'était une énigme. De l'huile. Super. Super, on a de l'huile. Je sais pas à quoi ça servait ce levier. Ah, il y avait ça. 18th, 1839. J'aurais aimé te demander ce que dont tu te souviens. Je ne sais pas s'il reste grand chose après avoir bu cette potion. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. Pardon, en fait, il parle en anglais, donc. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Quoi? Pardon? Comment ça? Comment ça, mon ancien moi? Comment ça? Faites gaffe, je suis armée. Elle a effacé tes souvenirs. D'accord. J'avais pas tort lorsque j'ai dit qu'il avait bu un cocktail de Robin. Écoute, hein, ça ressemble à... Un dimanche matin, très tôt. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel.
and it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. En effet. Vous aviez raison. Méchante porte. Allez, je me casse. Je crois pas que c'est par là. Ah, je peux courir plus vite. Attendez, je veux aller monter les escaliers. Non, j'ai pas eu peur. Bon, j'ai la chaise. Oui, non, mais... Je ne crois pas. Ça ne veut pas bouger. Tu m'étonnes, Alphonse. On va où? On va où? Bon. J'aurais aimé... non, ça, on l'a vu. Journaux intimes, je veux quand même tôt. Des tissus organiques. Vite, être dissous. Je pense que ça doit être peut-être au laboratoire. Je pense qu'on va trouver ce qu'il nous faut au laboratoire. Donc on va aller par là. La lanterne. Quand on a allumé ça, on peut... D'accord. Il y a quelqu'un qui a faim. Il y a le ventre qui grogne. Permet une bonne ventilation. Manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré que j'avais en stock. Certains semblent ne pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs. Difficile à récupérer, je vais voir ce que je peux faire. Déplacer dans la cave à vin. Chouette. Quelque chose qui grogne.
visiblement ce que je cherchais. There should be more Cooperites. Let me see, And one part, Aquaforce. N'importe quoi. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Chouette, ça dit... Enfin, c'est super. Quand tu dis essence vitale artificielle, ça pue. Les anciens composants manquaient de 7 puissances dont j'avais besoin. Enfin, oui, dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'orpium, je sais pas ce que c'est, sont une garantie et le cuprite. Ouais. Je connais pas, ça doit être des choses. Est logique, mais les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par l'eau régale. C'est de la bonne eau, elle régale. Peut-être que j'obtiens un résultat, j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Oh, super, on connaît la recette. Il se pourrait peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir pour trouver un jour une solution chimique pour me sortir de là. Dès que je bouge, je me perçois un problème. C'est qui tremble. Bon, du coup, si j'ai bien compris... Attendez, il faut que je revérifie, mais je pense que... Rien récupérer. Ah, ça t'a mis d'où? Mais je crois, si j'ai bien compris, en fait, tous les ingrédients sont du coup 4 produits nécessaires pour continuer. Ouais, en fait, les du coup, si j'ai bien compris, ils sont dans la cave à vin. La lorée. Capable de dissoudre l'or. Ah! Alors, faut savoir un truc. C'est que j'ai arrêté la physique chimie en seconde, déjà. Et j'avais une moyenne de 8. Donc. Dites-vous bien que niveau chimie, tout ça, j'étais totalement nulle. En fou, remarquez, j'ai fait ES, donc... D'accord, je savais pas, je connaissais pas l'eau régale. Ouais, je sais, Elle me dit, Moi, j'ai arrêté de comprendre. J'ai arrêté de comprendre la chimie à partir des mols. J'ai été perdue à ce moment-là. J'ai plus rien compris. Trouvez la clé. Une liaison de 4 ingrédients ont été. Bon. Donc on trouve la clé. Où est-ce qu'elle peut bien être? Alors.
Alors, l'eau régale ou eau royale, aquaring, en latin. J'ai pas fait latin non plus. Et un mélange d'acide chlorhydrique. Ça, je connais. Et d'acide nitrique. Ça, je connais. Concentré dans une proportion 2 à 4 volumes d'acide chlorhydrique pour un d'acide nitrique. D'accord. Ouais. C'est joyeux, quoi. The unflinching African sun has continued to plague our expedition. Il est presque impossible de creuser avant la tombée de la nuit. Oui, j'ai la flemme de l'écouter. Comment est-ce que le professeur Herbert est-il parvenu à trouver cet endroit, l'endroit en, ce, en ces vastes plaines de néant reste pour moi un mystère. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tin Hin Nan, la mère de tous. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. De façon qui voudrait des soupes de l'or, bah voilà. The tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. D'accord. Ok, ça parle de tombeau. Donnez-lui un nouveau nom à cette à notre nouvelle A. Viens avec moi, toi. Viens. Tu es notre nouvelle amie. L'intention de mes services de à Alexandre Baron de Brimberg. Madame, pendant 3 ans, avant que je puisse récupérer ma liberté. What? Service apprécié à le doc. C'est d'accord. Sa liberté. Pardon. C'est chelou. Gertrude. Bon bah ça sera Gertrude. Viens avec nous Gertrude. J'ai été surpris par des chemises. Comment ça, c'est grave? Bon. En vrai, Gertrude est un peu chiante à transporter. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me.
It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Oui. C'est ce que je disais, c'est ballot. Pardon, regardez une portable. Ah! C'est pas moi! Promis, c'est pas moi. Vieux livre. Rien fait. Merde, l'urne funéraire de mamie. Ah pardon. Je vais pas marquer, il faut pas toucher. Locale. C'est fermé à clé. Donc l'histoire locale est fermée à clé. Ok, j'ai compris. Vous voulez pas que je vous fasse profiter de mes talents de pianiste. C'est bon. Ça va. J'ai compris. Ah, du sang. Oui, il y a eu une voix, mais bon, là. C'était sûrement rien. Non, j'ai pas eu peur, pas vrai. Putain. Alors, attendez. J'entends. Elle est là? Oui, c'est d'accord, elle est là. Là. Non mais n'ouvre pas aussi violemment les tiroirs. Stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Normalement, on dit de pas suivre la lumière, hein.
It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Bonne soirée, Odysseus. And grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Visiblement, les rochers viennent du plafond. Voilà. Royaume Prusse. Prusse centrale. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de cette pièce-là? Mais vous arrêtez de faire des trucs qui... Attendez. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Ok, j'ai pas tout compris. L'équilibre mental. La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. Plutôt mon état, oui. Ah. Ah. Le chemin en dehors de cette zone. D'accord, en fait, le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, c'était les rochers qui s'effondraient. Ça ne peut pas être cassé à la main. Oh ! Est-ce que Norbert numéro 2 ? Norbert numéro 2 ne sert à rien. Quoi on peut casser? Il n'y aurait pas une ça sert à rien Norbert. Une chaise. Oui, allez, il est là. Final, Norbert numéro 2 n'a servi à rien. Bon, alors en attendant, on va quand même jeter un coup d'œil. Putain, mais leur flash lumineux me détruit les. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Mécanisme secret menant dans la porte menant à la salle de survie locale. Ok. Internet a décidé de couper, hein. On va croiser les doigts pour que
ça ne recoupe pas. Du coup, on était coincé ici avec un mécanisme. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un faible courant d'air qui passait. Je vais allumer les lampes. Donc visiblement, oui, c'est bon. Je jetais un coup d'œil voir si ça remarchait à côté, et j'en déduis que le seul livre qu'on peut toucher. Alors, visiblement, c'est pas le seul. Bon. Au moins. On a la clé de la cabane. Donc on a la clé de la cave avant. Lilian et ses hommes de main ont mis en péril des recherches perdues. Depuis bien trop longtemps, avec leur méconnaissance totale de fonctionnement des récipients humains, le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Chouette. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il trouve le chemin jusqu'à Brandenburg. Je dois enfermer Willem et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien mourir de faim, peu importe ce qu'ils choisiront. Ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront plus ou moins être résolus. Alors c'est moi ou il les a enfermés dans la cave? Je comprends ça comme ça. Donc soit on va trouver des gens totalement tarés parce qu'ils ont été enfermés dans la cave, soit on va retrouver des gens morts. Chouette. Maintenant pour trouver la sortie. Vous avez vu? Ta mère. La sortie, c'est par où? C'était pas beau, je sais pas.
Putain, j'ai pas envie de continuer. Vous comprenez pourquoi je ne joue pas à ce genre de jeu? Arrête de rire d'un côté! Pas fouillé là. Ouais mais non. Je crois que la sortie c'est par là. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis censée passer. Aïe. Non mais j'ai pas envie. Non mais j'ai pas envie. Je sens qu'il va encore avoir des trucs comme ça dans la cave. Je le sens mal. Je sens que ça va être... On va retrouver Willem et... Putain, heureusement que les clips marchent pas. Rappelez-moi pourquoi j'ai voulu jouer à ce jeu. Rappelez-moi pourquoi j'étais aussi con. Je vous jure, je suis pas bien. Je sais pas, je suis perdue, je suis pas envie. J'ai peur. Si l'ennemi est proche, restez de... Cachez-vous dans le noir, assurez de... Quoi? Comment ça, un ennemi proche? Non, 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 non! Quelle mauvaise idée, putain! Ok, ça va. Mais j'ai allumé cette putain de lanterne! Vous dites pas que ça servait à rien!
j'ai plus d'huile, j'ai plus de... Chouette. Et comment je suis censé sortir de là? D'accord, en faisant bouger les... On peut déveiller le passage. Alors, comment t'expliquer? J'ai hésité. Alors, je vais répondre, ça va me calmer. Alors, j'ai hésité entre trois jeux, à vrai dire. Je me suis dit, il y a Luigi's Mansion 3 qui sort aujourd'hui. C'est un jeu, certes, qui ne fait pas peur, mais qui est un peu en thème, enfin, dans le thème d'Halloween. Jeu très bien, mais bon. J'ai hésité aussi avec Little Nightmare, qui est dérangeant, mais qui est un peu plus dans le style de jeu, genre, enfin, que je pourrais jouer. Et je me suis dit, toi, choix numéro 3 de totalement maso, tu prends un jeu qui te fait extrêmement... Enfin, qui va te faire extrêmement peur. Sachant que je ne savais pas de quoi choisir entre les trois, j'ai demandé sur Discord. Et bien sûr, vu que mon Discord... Enfin, le Discord est... Sur notre Discord est rempli de gens terriblement gentils. N'est-ce pas? En précisant bien que le dernier jeu, enfin que ce jeu-là allait sûrement me foutre des cauchemars et que j'allais pas être bien, ils ont tous décidé, ben votons pour celui-là. Pourquoi je l'ai proposé? Ils viennent pour moi! Les gens, je vous aime plus. Attention. J'arrive pas à déblayer cette poutre. Putain de porte, et en plus c'est fermé. Je sais pas par où passer. J'ai plus d'huile, j'ai plus de. Plus rien, j'ai pas envie de continuer. Je veux mourir. Pas une échelle, c'est ça, le fond, une échelle. Non, il n'y a pas d'échelle. Je vois pas d'échelle. Saisir les caisses. Attendez, peut-être. Pardon, mais qu'est-ce que de quoi? J'ai approché une planche. Alors, vous êtes d'accord, j'ai approché la planche du rocher qui a fait un blablabla et qui est tombé. La planche, tu peux tout bouger avec une planche. Avec une planche cassée, visiblement, tu peux tout bouger. Pourquoi?
Pourquoi pas? Écoutez, hein. Poser des questions assez saugrenues, hein. Mais avec une planche, tout peut être poussé. Ne cherchez pas, surtout que la planche traverse à moitié les rochers. Hein, mais bon. Magie! J'ai fait disparaître la planche, ça a ouvert la porte. Pardon. Là, là, là. Putain. Non, je vais rester là. Très bien, là. Mais j'ai plus d'huile, j'ai plus rien. J'ai envie de débrouiller comme ça. Des bruits de poche. Putain. J'ai pas envie, vraiment, sérieusement, j'ai pas envie, je me sens tellement mal. Pas envie, je suis. Rien pour allumer, putain. What's happening? Feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Except that we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here! C'est quelqu'un. Oh, j'entends marcher juste au-dessus, c'est... Mon nom est Willem, maison de Gerich. Ce sont mes derniers mots, ma confession, mon testament. Il y a 2 ans, j'étais appelé au château Brandebourg. Comme la plupart des aristocrates, j'étais curieux à l'idée de savoir que ce supposé chevalier pouvait vouloir de moi. J'ai donc accepté l'invitation. Le baron était très convivial. Il m'a fait une offre. Il s'était avéré que la nature du contrat était sordide, que la raison pour laquelle j'avais été choisie est liée à mes folies passées et non à mon honneur, que j'ai pu recevoir dans mon temps de soldat. Je ne devais pas capturer des
Je devais capturer des humains en bonne santé selon son bon vouloir et sans poser de questions. En échange, il me recommanderait alors à la cour royale en félicitant mon avancée au sein de l'élite. J'aurais aimé prétendre que j'ai longuement hésité, mais il n'en est rien. J'ai accepté l'offre sans condition. Depuis ce jour, j'ai amené hommes, femmes, des enfants à Brandenburg. Je me souviens pas du nombre, mais il y en avait beaucoup, peut-être 100. On n'a plus jamais vu ni entendu parler. Ce soir, le baron m'a invité, moi et mes hommes, dans la cave à vin pour célébrer notre travail. J'ai eu des soupçons lorsque nous descendions les escaliers, mais il a insisté. Il nous a rejoints pour un toast. Le vin était goûteux. Mes hommes ont bu sans vergogne. C'est à ce moment-là que notre châtiment a commencé. Le baron nous a enfermés avant de retourner à l'étage. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. J'étais faible et je me suis laissé prendre par ces idées diaboliques. Mes hommes n'arrêtent pas de crier. Leur peau est percée par leurs propres os. Je sens mes entrailles se révolter contre leur propre nature. Celle donnée par Dieu, le sang commence à couler par mes yeux. Je ne peux plus. Je sais pas, j'hésite vraiment là parce que j'en peux plus. J'hésite vraiment à arrêter. Parce que je ne supporte pas ce genre de truc là. Ouais, on peut faire ça, on peut installer Limbo. Limbo, parce que là, je vous avoue, je suis vraiment, vraiment pas bien. Donc, je sais pas si... Je crois qu'on a une scène au cas où, ouais. On va faire juste une petite pause, histoire que moi, je puisse un peu souffler. Et installer Limbo, parce que je vous avoue, j'en peux plus, là. Donc, je reviens dans... Allez, 2 minutes, à peu près. Entre 2 et 5 minutes, je reviens, mais là, j'ai besoin de souffler un peu.